Il y a tout un donjon. Est-ce que la laine serait là-dedans? Ça m'étonnerait parce qu'il y a aussi le diamant dans ce donjon. Évitons de faire péter le creep, on sait jamais. S'ils ont foutu des silverfish, on se retrouvera pas malin, tiens. Putain, les diamond blocks! Oh non, nous ramenez pas dans un truc comme le Sacred Fish Temple là. Bon, on réduit au moins le taux de spawn. Salut toi. Putain. On peine à leur faire mal. Hein. Ça c'est plutôt cool par contre le stuff qui laisse. Oh putain, ils sont là les diamond ore. Hors de question de mourir avec ça les gars. Une fois qu'on les aura, faudra plus se fail. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, ils sont dans les murs. Ok, ça c'est cool. Putain. Je trouve pas d'où il spawn. Sûrement dans dessous les colonnes. Ouais. Ok. On y est les amis, là on se rapproche véritablement de la fin. On a trouvé l'endroit des diamants. C'est bientôt fini. Ah, ça me fait mal au cœur quand même là, je viens de passer 4 jours entiers sur cette map. Ok, on peut pas les prendre pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on va aller les prendre. Là, on a masse de stuff les amis. Pour bien finir cette map. Putain, ils sont où? Saloperie de spawner. Là. Forcément, c'était là. J'ai checké ma vie, tout va bien. J'ai niqué toute mon épée, vous le croyez ça? J'ai niqué toute mon épée sur eux. Ok, donc récapitulons. On a tout ça, donc ça on s'en fout, ça on s'en fout pas. Ça on prend. Siren's Blood, on s'en fout total. Par contre, la pioche, on s'en fout pas trop parce qu'on en a bientôt plus. Ok, ici. Les Feather Falling et le Power 3. Tac. Est-ce qu'on a tout pris? Oui, on a tout pris. On prendra le diamant après, ne vous inquiétez pas. On a de quoi à peu près faire 2 blocs de diams, donc on va en faire qu'un seul. D'ailleurs, on n'a pas de bois, donc on va devoir garder 9 diamants sur nous. Chose qui ne nous rassure pas forcément. Hop, voilà qui est fait. Et la boucle est bouclée, les amis. On est de retour ici. Alors, à l'étage. On ira chercher les diamants après, hein, vous inquiétez pas. Ok, c'est bon, on a réussi à le tuer.
Ok. Pour l'instant, les amis, bon, ça va. Hein. Niveau mob, on s'en sort bien dans les grandes zones comme ça. Il n'y a pas trop de soucis, on va se l'avouer. Ça monte très très haut en fait. Ok, on va déjà s'occuper des zones latérales avant de monter. Bien joué. Allez. Oui, je me dis bien joué à moi-même. Allez. C'est bon. Ce mec est schizophrène. Ok, il y a pas d'autres spawners, j'ai l'impression. Allez les gars, on y est. Putain. Cancer quoi. Ok, en dessous, on a compris. Mais par contre... Je sais pas s'il y en a d'autres, mais là, en l'occurrence, je vous avoue, je m'en fous un peu. Hop. Ah putain. Voilà. Putain, il y a tout un donjon. Est-ce que la laine serait là-dedans? Ça m'étonnerait parce qu'il y a aussi le diamant dans ce donjon. Évitons de faire péter le creep, on sait jamais. S'ils ont foutu les silverfish, on se retrouvera pas malin, tiens. Putain, les diamond blocks. Alors, je vais juste voir. Sharpness 3 Fire Aspect, c'est une Iron Sword. Hop. Ok, c'est pas grave. Le reste du coffre, on l'a perdu. C'est pas trop un problème. Il y avait rien de bien intéressant. Ok, les amis. Ça, c'est bon. Ça c'est bon, et je l'avais vu, l'autre il était là. Oula, je sais plus. Il était là. Ok, on peut se restaurer. Il y a deux diamond blocks là-bas, les amis. En fait, c'est largement bon. Franchement. Ok. Ok. Ah oh non, il fallait faire péter le creep. Oh putain, je tape à toute vitesse là, mais c'est un truc de fou. Alors par contre, ouais. Oh putain, j'ai plus de stuff. J'ai perdu tout mon stuff d'un coup, j'ai broke. Ok, j'ai plus de battement, enfin j'ai plus de pantalon. Ce qui me fait légèrement chier, soit dit en passant. J'aurais dû prendre le pantalon en diams. Ah merde! Bon, j'ai plus de pantalon, c'est génial. Smite 3, putain, la Smite 3 elle va faire plaisir, attends. On y retourne avec la Smite 3. Et là, je pense que. Oh ouais, on fait beaucoup plus mal. Ok, très bien. On va se guérir quand même. Oh, petite gapple et on y va. Avec l'absorption, normalement, ça devrait passer crème comme dans du beurre. C'est un trône carrément. J'ai pas lu le titre de la zone, mais. Putain, je prends tellement cher. Je l'ai vu. De l'autre côté, il doit y en avoir un aussi. Logique. Ok.
Ok, là il n'y en a pas. Bon, il va rester des spawners araignées, mais. Putain, une pioche, une pioche, une pioche, une pioche. Ok, efficiency. Voilà. Oh putain, elle marche tellement bien. Ok. Alors, le chestplate. Ok, très bien. Ouh, non, je suis pas stressé, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je ne suis pas stressé. Comment ça se fait que tu spawns encore, toi? Y a aucune raison pour que tu spawnes. Si, celle-là. Putain, par contre, elle s'abîme tellement vite, cette pioche. Ça, c'est normal. C'est parce qu'on mine tellement vite aussi avec. Tac, ça, on n'en a pas besoin. Putain, c'est une smite 3 ou quoi? Merde. Elle fait quasiment pas de dégâts, j'ai l'impression. Sharpness 3, Fire Aspect, encore. Tu sens quand tu vois le stuff que t'arrives à la fin de la map, hein, quand même. Hop, voilà. C'est bon, je l'ai bien prise. Ah, et par contre, on va juste vérifier un truc. What? Alors j'ai cassé les panneaux, mais j'ai l'impression qu'il y avait autre chose. Bon, ok, on l'a cassé la pioche. J'ai l'impression qu'il y avait autre chose plus haut. Je perçois ton. Et imaginez, il y a la laine plus haut. Attendez, ça me paraîtrait fou, mais pas tant que ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va virer? On va virer ça. Hop, on a un diamond block, les amis. Il nous manque deux laines et puis on a fini la map. Je me dis que le. Bon, je dois me tromper. Mais je suis sûr que la laine est pas très loin, en vrai. Pour qu'il y ait un truc comme ça me paraît carrément chelou. On va pas gâcher de torche. Donc en bas, en fait, c'est bon, on n'a pas besoin d'y aller. Il y en a tout clean dans le coin. Donc c'est bon. On a juste à se barrer. Oh putain. Bon, on a le diamond block, les amis. C'est tout ce qui compte. Attends, faut faire gaffe à pas mourir. Et ça va être le truc le plus dur. On va pas se le cacher. Non, on va pas. On va pas s'enlever le blast protection qu'il y a dessus, ça sert à rien. Quoique, on n'est pas à ça près. Bon, par contre, au niveau du reste du stuff, on est carrément mort, quoi. Bon, putain, ça aurait été le troll ultime, se faire pousser comme ça. Surtout si ça avait été notre dernière mort. Alors là, je vous cache pas que je fais exprès de mourir après, hein. Parce que là, c'est. Carrément, ce serait pas permis de mourir comme ça quand même. Surtout en dernière mort de la carte. Bon, je suis sûr la laine noire va nous donner beaucoup de fil à retordre. Elle est là. Elle est juste là. On est monté tout en haut, les amis. Et on y est. Alors là, faut pas se fail. Faut y aller doucement, faut y aller doucement. Il y a des blazes aussi. Évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple. Putain, ça rase. Ok, on va faire autrement. Faisons le tour, les amis, tranquillement. J'ai envie de vous dire. On a une pioche, c'est à ça qu'elle sert, n'est-ce pas? C'est pas illégal de faire ça, donc. Stupide. Stupide, Obidjoflu. Et pendant ce temps, nous, on va chercher l'avant-dernière laine. Attendez, il va forcément y avoir un piège, ça me paraît. Beaucoup trop simple qu'on puisse faire comme ça.
Tac. Après, va te barrer de là, quoi. Donc la laine n'était pas du tout, était pas du tout pas loin de ce que j'ai dit. Mais bon. Bon là, le véritable problème, les amis, il y a marqué quoi là-bas? Je veux juste lire ce qu'il y a là-bas, en fait. Pourquoi ai-je mis ça ici? Moi seul le sais. Ok, très bien. D'accord, donc ça, on s'en fout. C'était juste un petit message du développeur de la carte pour nous dire, bon, voilà, il y a des choses, c'est un peu du troll. Ce qui m'intéresse, c'est comment descendre de manière safe. Oh putain, oh ça race. Oh ça race. On va retourner à l'intérieur si vous voulez bien. J'avais pas vu ma vie. Ok, tendu. Tendu, tendu, tendu. J'ai l'impression d'être dans. D'être dans Independence Day quand les mecs, ça y est, ils ont livré le virus à la fin, ils ont livré le colis, ils ont livré le colis, mais qui savent pas comment ressortir. Ah bah là, je me sens à peu près dans la même situation, les gars. Si vous connaissez cette référence, n'hésitez pas à me le dire. Là, je me sens, je me sens comme dans Independence Day, c'est vraiment la merde là. Je ne sais pas comment faire. Parce qu'on peut pas passer en souterrain, il n'y a pas de souterrain, tout simplement. Il y a du vide en dessous. Quoique le vide pourrait être une solution, j'ai plus d'underpearl donc non. Où est-ce que je l'ai foutu mon underpearl? Oh, j'ai dû la foutre dans un coffre random. Oh fuck! La vérité, est-ce que je peux pas gérer le truc comme ça? Est-ce que je peux pas brain le jeu? En mettant un putain de seau d'eau juste ici et en attendant. Hop. Ok, très bien. Ok, est-ce qu'on tente le diable, les amis? Moi, ça m'a l'air vachement tendu quand même. Mais enfin. Pas touché, reste bien au centre, reste bien au centre, reste bien au centre. Il n'y a aucune raison de mourir maintenant. Ok, on va redescendre tout en bas. Ok, on a peut-être trollé toute la laine. D'un autre côté, les amis, on peut se servir de tout ce qui est à notre disposition, je vous rappelle. Et là, pour le coup, le seau d'eau nous a bien aidé. Je pense qu'on peut le dire. C'était une solution possible, je pense. Faut juste retrouver l'entrée maintenant. Et là, ça va commencer à être un peu plus dur. Je vous cache pas. Quoique. Boum, voilà, hein. Ça a commencé à être un peu plus dur. Pas tant que ça, en fait. Voilà, on a juste à la jouer comme ça, à buter le petit squelette qui nous attend là-bas, et puis c'est bon, hein. Ouais, l'entrée est juste là. Bon, bah, il nous reste plus que la Black Wool à faire, les amis. Je vous avoue que je suis pas très, très. Je suis pas très très réveillé à l'heure qu'il est là. Ouais, je sais qu'il est que 20h. Mais. Je suis pas bien du tout. En plus de ça, j'ai le stress là, je me dis. On a tout. On a la green et on a la diamond block.
Il nous manque un unique objet. Un seul. Celui qu'on redoute depuis le début en soi. C'est la Black Wool. The fucking Black Wool, les amis. Et autant vous dire qu'à mon avis, c'est pas gagné. Je ne sais même pas à quoi m'attendre. Mais à mon avis, ça va être un truc absolument infernal. Encore un truc assez déséquilibré, mais bon, ce sera la Black Wool, donc tu peux pas parler déséquilibré quand c'est la Black Wool. T'as le droit de mettre ce que tu veux dans une Black Wool. C'est une règle immuable, c'est la Black Wool, donc ta gueule.